égalise 6 partout. Puis brusquement, le CO semble perdre sa concentration. Un plaquage du deuxième ligne Capo Ortega sans s'être replacé permet à James de redonner l'avantage à l'ASM. 9-6. Puis c'est l'ailier Max Evans qui contre sans intention de jouer le ballon. Nouveau jaune. Castres termine à 13 la première mi-temps et limite la casse au niveau du score. 9-6 donc à la pause pour Clermont. En seconde période, l'indiscipline change de camp. Cocotte ajoute 6 unités. Castres reprend l'avantage, 12-9. Clermont, si fort habituellement au retour des vestiaires, déjoue. Le champion de France en profite. C'est un temps fort pour Cocotte et les siens. Il faut écarter Lamora. Il va y aller sans laisser. Essai de Rémi Lamora. Le champion de France prend les commandes. Un peu plus. 17-9. 19-9 avec la transformation, puis 22-9 grâce à une nouvelle pénalité de Cocotte. Mais Clermont a de l'orgueil et Damien Chouli relance les siens avec un essai transformé à la 77e. 22-16 pour le CO. Mais le champion de France ne cède pas une seconde fois. Incroyable exploit de Castres qui rejoint Montpellier en demi-finale. Pour la dernière de son entraîneur Verne Cotter, l'ASM chute chez elle pour la première fois depuis 4 ans et demi.